Marlène, un autre frère, le chef du village, il a bien voulu nous accompagner, nous aider à quitter la maison. Et notre maison est en détruit, il a récupéré des boîtes pour gagner. Où ça? C'est le cadet là. Ah ouais. Le cadet, vous savez. Ah ouais, j'étais attendu pour gagner des boîtes. Il a incendié, oui, à l'entrée des boîtes. Hein? C'est pas incendié ou bien c'est comment? Ils ont levé les portes. Bon, je suis petit, hein. Ah ouais. Non, bien. Quel est ça concerne au village? Et comment c'est fait que vous êtes le ministère du village? Tu veux dire, tout le monde m'a dit que vous êtes le ministère du village. Et je suis le député du groupe commune. Oui. Ouais, député du groupe suspendu. Déjà où est là-bas? Je ne comprends pas que tu sois chef de village ici. Monsieur, voilà pourquoi souvent vous dites que vous êtes en parable avec des gens. Moi, je suis depuis. Je connais le chef de ce village. J'arrive, les assaillants ont chassé tous les propriétaires du village. Et j'arrive en prenant un chef de village que je ne connais pas. Non, laissez-moi finir. Vous avez fini, vous avez parlé. On me prend un nouveau chef de village qui vient, qui prend des gens, qui vient montrer tout ce qu'il y a dans le village. C'est qui c'est. Comment pouvez-vous comprendre que celui qui vous a donné de la terre pour que vous fassiez vos plantations, celui qui a accepté que vous viviez dans le village avec vous, comment pouvez-vous comprendre que tous ces gens soient hors du village? Et que vous soyez là déjà, on ne comprend même pas. Première chose, si vous êtes là, c'est que vous allez collaborer avec les assaillants. Premier problème. Voilà. Je m'en finis. Deuxième problème, non seulement vous allez collaborer avec les assaillants pour avoir toutes les armes et puis empêcher les gens de rentrer dans le village, vous arrivez ici, vous proclamez chef de village, des villas. Il n'y a que vous, c'est ici. Mais je comprends mal. Vous dites que si vous avez besoin d'un terre pour que vous soyez bien, d'autres personnes viennent les tuer, les fusiller, et puis vous regardez, et vous restez dans le village, et bon, ils sont ailleurs, et vous êtes chef. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est vous, Burkina. Si moi je vais, je suis avec vous, vous m'avez donné la place. Les gens viennent ailleurs. Je crois que nous. Je dois me mettre avec vous pour vous aider. Pour aller. C'est ça, c'est normal. Ou alors je cours avec vous. Je me mets doux. C'est normal. C'est ce qu'on peut faire. Ouais, c'est tout, ouais. Mais si vous, on vous a rien fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils disent que c'est vous qui aidez les aiguillés à faire parade avec les autres. C'est ça. Bon, vous avez dit que c'est à cause de ça qu'on vous a obligé. Vous avez obligé. Est-ce que vous pouvez dénoncer ici, là, combien de Burkinabés qui sont morts et combien de guéris qui sont morts? Allez, vous pouvez me dire. Comme les affaires ont tué. Ici, dans le village. Oui, parce que ici, j'ai peux lancer. Combien de Burkinabés les affaires ont tué? J'ai bien dit, les deux Burkinabés, ils ont tué ici. Ouais. Bon, ceux qui sont venus, est-ce que vous pouvez nous dire s'ils sont Burkinabés, s'ils sont Yakuba, s'ils sont Senufo, quel est le groupe qui est arrivé? Le groupe qui est arrivé ici, c'est ça, les Yakuba et puis Jula. Les Yakuba et puis Jula. Vous pouvez répéter. C'est Yakuba et puis Jula. Yakuba et Jula. Ok. Moi, il m'arrête. Voilà. Bon, monsieur, je vais vous dire une chose. C'est que je ne suis pas du tout content. C'est normal. Je vais vous le dire pour que vous compreniez. Je ne suis pas du tout content. Ouais, ouais. Que les Burkinabés viennent à Via et ils disent qu'ils sont chefs de village. Non, attention. Est-ce que moi, député de Biokwe, je peux aller à Koudougou et être chef de village? Non. Non. Est-ce que je peux aller à Banfora et être chef de village? Non. Mais alors, pourquoi vous êtes chef de village? Non. Attention. Attention. C'est ça qui fait les conflits futurs. La guerre est en train de finir. C'est ça. Si vous ne faites pas attention à vos comportements, c'est une guerre, une autre guerre qui vient. Faites attention, réfléchissez à ça, on s'en va. Alors, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Africa Plus Magazine. Je suis votre hôte Bamba Fango.